Le Cameroun de concert avec la communauté internationale a célébré ce 15 octobre la journée mondiale de la femme rurale. Une occasion de mettre en lumière ces femmes, mais surtout d'apporter des solutions aux problèmes auxquels elles sont confrontées. Dans la région de l'extrême nord par exemple, cette journée n'est pas passée inaperçue. La commune de Maroua 3e a célébré cette 28e édition à la chefferie traditionnelle des Codec, présidée par le secrétaire général du gouverneur. Très ému par la très très forte mobilisation des femmes de l'extrême nord qui se sont mobilisées comme une seule femme pour nous montrer de quoi ils sont capables. Nous les félicitons. Nous reconnaissons aussi le fait que les femmes de l'extrême nord travaillent dans les conditions très difficiles. Nous reconnaissons leurs difficultés et la résilience qu'ils font. Nous saisissons cette opportunité pour les rappeler que le gouvernement a mis en place beaucoup de mesures pour faciliter la vie aux femmes rurales de l'extrême nord. Une formation femmes a été organisée du 12 au 13 par la commune de Maroua 3e sur la fabrication du charbon écologique. Objectif, mieux préparer ces femmes à saisir les opportunités qui s'offrent à elles. Nous avons eu à former plus de 200 femmes dans l'arrondissement de Maroua 3e à la production et à la commercialisation du charbon écologique. Mais en plus, nous les avons accompagnées en les dotant décarbonisateurs afin d'être autonomes sur le plan économique. Cette formation qui vient booster les capacités de ces femmes afin de devenir autonomes dans leurs activités. Après la transformation du charbon écologique, ça va changer notre développement. Nous allons nous développer dans l'association avec. Quand nous allons vendre, on va se développer. Des matériaux agricoles, des ustensiles de cuisine ont été remis à ces femmes et s'en est suivi la remise des attestations aux bénéficiaires. Les matériels vont servir les femmes de faire le charbon écologique et de commercialiser. Ça va nous permettre d'avoir vraiment notre charbon à notre niveau et ensuite de commercialiser. Cette année, elle est placée sous le thème « Femmes rurales et économie verte, mieux produire et transformer pour saisir les opportunités de la zone de libre-échange continental ». Cette célébration intervient dans un contexte où les femmes rurales n'ont pas accès à une formation de qualité leur permettant de booster leur production. Cette cérémonie s'est achevée par la promotion des ventes de Jules Diamaro à 1 100 francs par la société Holding.